Bienvenue ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde. Et salut. On espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne semaine. On vous laisse visionner cette vidéo et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Allez, bon visionnage. Bon, bah, c'est encore nous. Ouais, c'est Renaud. Les nouvelles sont pas forcément très bonnes. Non, pas très bonnes. La motivation n'est pas forcément présente. Non, fatigué. Un peu. Oui. La chaleur assomme. Et fatigué. Et puis on a hâte de le finir, quoi. Ouais, on a tellement hâte de le finir que. Mais on n'arrive pas à avancer comme on voudrait, en fait. Et ouais, ça. C'est compliqué. Ouais, et puis quand il y a des merdouilles qui viennent se mettre, bah, on est encore moins motivé, Ça quoi. casse le moral, ouais. Donc Bah, on c'est pas va. non plus catastrophe, mais c'est pénible. Ouais. Donc on va digérer tout ça, on va essayer d'y réfléchir. Voilà. Puis on vous reprend plus tard Voilà, on vous laisse déjà pour vous vous expliquer tout montrer ça. ce qu'on a fait et vous verrez la suite après. Allez. Pour une question de pratique et pour bien clipser les équerres, nous avons apporté une petite modification aux planches, en leur perçant deux simples trous. Nous nous attaquons aux portes de placard, depuis le temps qu'elles nous attendent. Préparation et mise en place des boutons poussoirs.
Hello tout le monde! Ah, salut. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, on a fait les portes de placard. On en a chié un peu quand même. Ouais, bah, parce qu'on a pris la décision de faire les meubles à l'intérieur directement sur le reste. Et bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait ajusté comme il aurait peut-être fallu, donc les portes, voilà. Bon, après, ça fonctionne, hein. On n'a pas encore mis les petits vérins. On les a, hein. Ça va Et même, je puis, pense, un peu elles trop. vont pas rester brutes comme ça. Oh, pourquoi pas, c'est joli. Alors, il faut encore bien les poncer et tout. Et ensuite, t'es Donc voilà. Donc si c'était à refaire, on ferait différemment. parti. Ouais, encore une fois, on ferait différemment. Mais après, bah, c'est notre premier, donc il faut s'adapter. Hein. C'est Mais on ça. ferait différemment. Ouais. Beaucoup de petites choses, en fait, qu'on se rend compte que c'est très bien. Mais il y a des petites bricoles qu'il faudrait peut-être faire autrement pour se faciliter la tâche. Donc C'est pas grave, on apprend. ouais, voilà. Bon, après ça reste propre, hein, ça reste très bien, hein, y a pas de... Donc on a dû mettre une petite rehausse là parce que le bouton donc là il dépasse un peu, hein, parce qu'il n'y a pas encore les caches qui sont là. Et vous avez ça là, vous avez ces petits caches là peut-être qui viennent comme ça là, et qu'on enfonce une fois que ça sera pas, on les enfoncera bien, qui reste carré. Et en fait, comme ça, le bouton, il est à fleur de sang. Voilà. Bon, c'est du détail Et ça, inutile. donc les boutons poussoirs, si ça intéresse, on les a achetés donc sur Amazon. Ouais, sur Amazon, j'en ai pris sûrement trop, même. Mais c'est pas grave, j'en aurai. Comme ça. Bon, après, il nous reste encore la cuisine. Hein. Il y aura quelques portes aussi sur la cuisine. Et puis, je sais pas, on mettra ailleurs peut-être. Comme ça. Juste pour s'amuser. C'est ça, oui. Allez, on continue. Mission peinture pour moi et sieste pour Doudou. Installation des vérins. Nous avons fait le choix d'en mettre un par porte de placard. Salut! Et comment ça va aujourd'hui? Donc voilà, on a peint les portes, on a posé les boutons, et attention, on a posé les vérins, surtout. Celle-là, elle est un petit peu encore. Et voilà, c'est chouette. Donc les vérins, ils sont vendus par lot de 4. On les a achetés comme ça, par lot de 4. Sur Amazon. Sur Amazon, pour 11 euros les 4. Avec les fixations, les vis, etc. Donc, et franchement, ils sont très très bien. Mais du coup, nous, on n'en met qu'un seul par placard parce que ça suffit largement. Si j'en mets deux, je pense que j'arrache toute la charnière. Et les boutons, nous, on les a choisis en noir. Ils existent aussi en gris, il me semble, et peut-être même en blanc, si je dis pas de bêtises. On doit les trouver aussi. Pareil, sur Amazon, le lot de 10 est à un peu moins de 40 euros, je crois, à 36 euros, quelque chose. Vous les avez aussi en lot de 5. Moi j'ai acheté un lot de 5 et un lot de 10 de toute façon, donc j'ai largement de quoi faire. Et puis alors les vérins, j'en ai acheté une cargaison aussi. Parce que à la base je pensais en mettre deux par porte. Mais heureusement que j'en mets pas deux par porte. Mais bon, c'est nickel. Oh, là, le bouton est trop loin. Donc voilà, elles sont toutes faites. Donc c'est fait, impeccable. Il n'y a plus qu'à recouvrir l'intérieur là. On va recouvrir dedans. Pour avoir d'écharde et tout dans les affaires et tout. Faire une petite séparation ici, j'aimerais bien. Faut que j'arrive à voir comment je vais faire. Et de l'autre côté, pareil, pour séparer les grands placards des petits pour les vêtements. Et les grands placards, c'est plus pour bah, le reste.
Il y aura peut-être des vêtements aussi, d'ailleurs. Surtout ceux de madame. Et voilà. Donc, ben, ça, c'est fait. Ça n'a pas été très compliqué. Hein. Même pour les boutons, on a été obligé de rajouter, comme je vous avais dit, une petite épaisseur. Hein. On a été obligé de rajouter 5000. Donc, du coup, ça fait que là, c'est du 12 plus 5, ça fait 10, 17. Et ils sont prévus pour, je crois, ouais. Parce qu'on peut le régler, le bouton. Mais bon, si on le règle, il a du jeu, quoi. Mais bon, voilà, donc ça fait 17 d'épaisseur. 1 cm 7. Donc voilà, et c'est parfait, c'est nickel, et ça fonctionne. Donc, bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bah, plus tard, hein? Allez, au revoir. Et puis, bah, quitte à avoir des verres en trop, on en rajoute au niveau des assises. N'est-ce pas, Doudou? Hein? Non, c'est pas moi. J'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait, moi. Je les ai, autant les utiliser, non? Bonjour. Non, rebonjour. Donc, du coup, comme j'ai des verres en trop, bah, faut bien que je les utilise. Plutôt que de la tenir tout le temps, la porte. Bon, c'est pas bien mal. Hein. Hop! Faut juste bien la tenir, sinon ça fait du bruit. Oh, franchement, très bien. Là. Et là. Je vous dis qu'il est toute option, ce camion. Toute option, toute option, toute option. Voilà. Bon, allez. Allez, on part s'aérer la tête. Nous voici à Carnon pour le feu d'artifice du 14 juillet. Bon voilà, donc du coup vous avez vu, on a un peu avancé. Et Un peu. ce qui nous a cassé le moral, c'est notre fuite d'eau. Enfin, notre fuite d'eau. Mais il y en a Les exactement. fuites d'eau. Il y en a une par un raccord à peu près. On pense avoir fait les choses bien avec les petits joints. Attendez, je vais vous montrer. Avec les joints adaptés, hein. On a commencé avec ces petits joints en caoutchouc. Pensant que bah, justement, ça serait nickel. Et C'était un flop. on a fait aussi avec ces petits joints comme ça. Pour comment ça s'appelle exactement, hein. Ces joints et fibres. Et pour les mouiller avant, pour quoi que ce soit, pour pas qu'ils craquent, hein, c'est pas. Le problème n'est pas là, c'est qu'en fait, dans le raccord, ils se mettent de travers et Se tout. tordent en fait. Parce que le raccord n'est pas fait pour avoir des joints. En tout cas, je crois qu'il y en a peut-être 4 qui sont faits pour avoir des joints, mais même là, je crois que ça ne le faisait pas. Donc en fin de compte, il faut tout faire à la filasse, pour ceux que vous connaissez. C'est une sorte de téflon, mais en fait c'est du chanvre qui lui gonfle au contact de l'eau. Et on met une pâte par-dessus, je ne sais plus le nom. Bon, enfin ça c'est, voilà, plombiers connaissent, etc. Et au départ on pensait vraiment que les joints comme ça allaient suffire et que ça allait le faire, qu'on allait être tranquille. Donc non, il faut tout faire à la filasse. Donc c'est un métier, hein, la filasse, c'est compliqué. Il y a vraiment un sens pour le faire, il faut bien rentrer dans le filetage, hein, dans les gorges du filetage, il faut bien rentrer dedans. Il ne faut pas trop en mettre, mais il faut en mettre assez. C'est assez. On a essayé une fois, ça a été Puis on un n'est peu pas échec. plombier, quoi. Ouais, on a essayé une fois, ça a été un peu échec parce qu'on ne l'a pas fait correctement. Donc mon cousin est plombier, j'ai dit écoute, passe me voir parce que là c'est compliqué. Voilà, donc il nous a montré comment faire. Lui, il en a fait des millions, on va dire. C'est facile pour lui. Donc il nous a montré comment faire. En fait, c'est qu'on ne le tendait pas assez. Et peut-être pas dans le bon sens à chaque fois, mais pourtant on essayait de respecter le sens. Mais on ne le tendait pas assez. Il faut vraiment le tendre, le tendre. Nous, on pensait juste qu'il fallait le mettre. Et puis après, voilà. Mais il faut vraiment le tendre. Donc, moi, je ne sais pas comment ils font pour faire ça toute la journée, certains. C'est vraiment. Voilà. Une fois qu'on a le coup de main, je pense que ça va tout seul. Celui nous a fait ça en 30 secondes. Il nous a montré, ça a été fait. Chacun son métier. Ouais, rigolo.
Donc on va essayer d'aller Donc, de faire ça. on va refaire ça correctement. On va essayer. Voilà, en espérant que ça aille. Parce que sinon, bah, je vais l'appeler et je vais tout lui passer comme ça. Je vais lui dire, bah, écoute, fais-les-moi les joints parce que ça me dit. Voilà, ça va être vite fait. Mais on voudrait quand même essayer de le faire nous-mêmes. Bon, voilà, il nous a donné le conseil, il nous a montré comment faire. Donc c'est cool. On aurait pu prendre la facilité puis lui dire, bah, écoute, fais-les, ça ira plus vite. Parce que lui, en 10 minutes, il aura fait tous les joints. Et ça fuira pas. Mais on veut quand même avoir le truc de se dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Voilà, c'est comme nos quelques petits branchements qui nous restent à faire. J'avais un doute sur le truc, j'ai appelé un ami électricien, il m'a dit bah tu branches comme ça, et c'est bon. Voilà. Donc le top c'est de le faire nous-mêmes pour justement. Voilà. D'ailleurs, coucou à Alex, hein, comme ça. Merci d'être passé aussi. Et à Mathieu aussi, du coup, le plombier. Voilà. Donc c'est sympa, on a toujours du monde autour qui peut nous conseiller sur certaines choses, surtout quand c'est vraiment pas du tout notre domaine. La plomberie, il n'y a rien de. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de compliqué, parce que ça reste quand même assez compliqué. Mais en soi, bon, si on chope le coup, ça va. Mais sur des choses comme ça, la façon de faire et tout, c'est voilà, c'est un métier. Hein. C'est pas, non, c'est un métier, c'est un métier. Ça se fait pas comme ça. C'est comme l'électricité. Il suffirait de le brancher dans le mauvais sens ou quoi, enfin, faire une petite bêtise hein, pour que ça ne fonctionne pas et qu'on cherche pendant des heures alors que c'est un bout de fil qui n'est pas branché au bon endroit. Voilà, là, il m'a juste indiqué là où il fallait commencer et après, voilà, c'est tout simple. Donc, rien de compliqué en fin de compte, mais je voulais juste avoir confirmation. Donc allez, on vous montre tout ça. Donc voilà, vous allez voir maintenant. Dans le bon sens, et bien tendu, rentrer dans le. Il a dit, c'est toujours dans le sens des aiguilles de montre quand c'est face à soi. Il y a eu des ratés, mais pour finir, nous avons pris le coup de main. Bon voilà, vous l'aurez compris, nous filassons. On filasse, on filasse. Ça, chacun son métier, c'est le cas de le dire. Puis c'est dégueulasse tout là, ils étaient beaux mes raccords, putain. Il faut pas avoir peur de salir les mains. Bon, c'est bientôt le verdict. Ouais. Bientôt. Maintenant, il faut tout tester. Il faut tout tester. On va faire d'une certaine façon. On va tester en série. Hein. Ah, faut y tester. Je ne peux pas tout brancher en eau vraiment. Donc. On va prier tout ce qu'on peut. Priez, priez avec nous. Nous avons testé chaque raccord pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Alors, d'après vous, a-t-on fait du bon boulot? Nous y sommes enfin arrivés. Place au remontage. C'est Renaud. Ah, c'est Renaud. On est là. Bon, ben, on espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte, hein, mais après ce qu'on a pu. Bah, il y a eu pas mal de travail voilà, cette semaine. Et puis, les galères au niveau du circuit d'eau qui nous ont complètement démotivés aussi. Ouais, et puis ouais, on a peut-être besoin aussi un petit peu de lâcher prise. De lâcher un peu et souffler 5 minutes.
Mais voilà, bon, déjà, l'histoire des fuites d'eau, c'est résolu, c'est une bonne chose. Voilà. À réfléchir, encore une fois, on n'aurait peut-être pas dû faire de cette façon-là. Mes raccords que j'ai choisis, enfin mes parties, comment mes Finance. distributeurs, mes nourrices, je veux pas changer, je veux vraiment garder ce système-là parce que c'est quand même beaucoup plus solide que ce qu'on trouve dans les camping-cars en plastique. Nous, on a déjà eu des soucis dès qu'on montait un peu en altitude avec les camping-cars. Ça commence à s'abîmer, les tuyaux tiennent pas bien dessus. Enfin, il y a toujours un truc qu'on peut pas trop serrer, ça s'écrase. Enfin, là, c'est vraiment bien, mais à choisir, on n'aurait peut-être pas dû partir sur du tuyau souple, mais plus sur du PER. Voilà. Ça aurait peut-être été mieux, plus solide, pas spécialement, parce que c'est pas une question de solidité, plus simple, et c'est pas des colliers. Là, on a l'avantage que s'il y a une petite fuite, on resserre un peu le collier, si vraiment, voilà. Parce que quand on monte en altitude, il y a toujours ce truc que ça peut se bouger un peu. Donc ça, après, c'est à voir après par la suite. Voilà. Mais bon, ça sera pour le prochain, peut-être que ça sera plus en PER. Et je vous conseille peut-être, vous, si vous allez faire un camion, c'est de regarder pour le PER. Vous achetez une pince à 20 ou 30 euros, là, et ça se fait Elle plutôt sera vite bien apparemment. Ouais, rentabilisée. ça se fait plutôt bien. Il n'y a pas de. Voilà, vous trouvez tous les raccords vraiment faciles. Que là, moi, j'ai dû quand même chercher entre la plomberie, entre le Jardinage. côté jardinage pour trouver les bons raccords pour mes tuyaux. Donc voilà, c'était le plus compliqué. Ça a peut-être été ça, c'était de chercher les raccords à droite à gauche. On en a mis du temps, Et ils n'avaient pas non, toujours en stock, ils n'en avaient pas assez, donc il a fallu qu'on le fasse en plusieurs fois, rajouter des manchons pour avoir des raccords différents. Enfin. Donc bon, on y est arrivé, on a notre réseau d'eau, ça fonctionne. Bientôt, on aura l'eau chaude avec le chauffage, mais ça c'est encore dans une autre vidéo. Mais bientôt, voilà, on va continuer. On a encore la salle de bain du coup qu'on va finir. Hein. Les tuyaux sont passés, il n'y a plus qu'à faire tous les raccordements et faire le plaquage au mur. On a trouvé, donc vous verrez. Et il nous reste la cuisine à faire pour brancher le robinet pour vraiment tester. Le réseau d'eau au complet, mais on a testé chaque raccord, lui a été vraiment contrôlé, il n'y a pas de fuite. Donc déjà là-dessus, on est tranquille. C'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, Ah tout à ouais, fait. c'est déjà pas mal. Parce que ça nous aura donné pas mal de cheveux blancs. Ouais, ça nous a tracassé parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein, Non, puis pour faire bien. on prend du temps et au final on s'aperçoit que malgré le temps qu'on a mis et tout, ça va pas. Alors ça fout les boules, quoi. Ah, puis faire un truc très propre et tout, comme on avait fait au départ, devoir tout redémonter, bon, c'est jamais aussi propre après, enfin, c'est plus Ouais. pareil, vu qu'on redémonte, on remonte, on Alors redémonte. après, on est un peu perfectionniste, hein, mais on aime bien les choses bien faites Bah, et je dirais, proprement, c'est pas une quoi. question d'être perfectionniste, après, si on voulait un camion et faire un truc vite fait, ouais, on faisait comme certains, on mettait quatre planches, on mettait un seul lanterneau, on mettait un sommier vite fait, un matelas de Ouais, maison mais coupé c'est en pas deux. nous. Enfin, c'est pas le but, c'est d'avoir un truc confortable et agréable et équipé pour pouvoir y vivre presque. Parce que là, dans ce véhicule-là, une fois fini, à part le fait que nous, on ne l'a pas équipé vraiment pour avoir être autonome en 220 sans être branché, c'est la seule chose que nous, on n'a pas faite. Mais c'est un véhicule dans lequel il est possible de vivre à l'année. Entre le chauffage qui va être installé dedans, qui L'isolation va qu'il être très bon, a. l'isolation qui est au top. Enfin, son installation et son équipement fait que c'est possible de vivre à l'année dans ce modèle, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est tout à fait possible. Après, nous, on va le garder un peu. On compte bien partir donc cet été. On va partir longtemps parce qu'on va pas avoir trop le temps. Mais on espère pouvoir partir un peu cet hiver, peut-être avec, même si c'est de temps en temps, histoire de le tester l'hiver. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, ben, ensuite, On verra. on le vendra peut-être. Je l'aime bien quand même. On Je l'aime bien. verra, on va pas. Vendre la peau d'ours avant de Ouais, l'avoir tué. c'est ça. On ne mange pas Chaque d'ours. chose en son temps. Ouais, non, 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 mais voilà. Enfin, on est plutôt content de ce qu'on a fait. Les portes, même s'il y a quelques défauts, Ouais, les portes, c'est nous, on pareil, on s'en n'est rend pas compte. forcément satisfait. On n'est pas satisfait de nous. Hein. Enfin, ça nous plaît pas. C'est pas l'idée qu'on avait. Pour nous, c'était des trucs où, voilà, c'était vraiment. Ben non. En fait, nos caissons. Comme on les a fait dessus, c'était pas tout à fait, je pense, d'équerre à certains endroits. Il y a des endroits où le tasseau devait peut-être pas être tout à fait bien placé. Donc ça a fait que, Le voilà, plein de prochain, petits trucs. on fera encore différemment et Le puis prochain voilà. sera différent dans tous les Après, là, cas. c'est notre premier. C'est un modèle unique. C'est ça.
modèle unique, hein, mais je pense que dans tous les cas, il est très bien. Non, non, vraiment, vraiment, pour moi, c'est un bon modèle. Voilà. Voilà, donc merci à tous de suivre encore nos aventures. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce. Abonnez-vous surtout. Et puis un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Voilà, et si vous avez besoin de conseils un peu sur l'eau, maintenant on est un petit peu calé là. donc il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et puis on se dit à dimanche prochain. Voilà. Pour la prochaine vidéo. Allez, bonne semaine. Ciao.